Bretone. Vom vorbi astăzi despre secretele bucătăriei bretone, de ce nu? Poate că vom merge puțin mai departe, să nu ne limităm doar la clătite, la crepe și la galet. Împreună cu Patrick Rongier, maître formateur crepier, aici în studioul nostru. Bonjour et merci de votre visite. Merci Mireille. Patrick Rongier, care ne-a pregătit o formare aux petits oignons, cum spun francezii. Il n'y a pas de hasard. Patrick Rongier, c'est à nous. Alors, racontez-nous votre histoire. Comment êtes-vous arrivé formateur crêpier? À créer mon école de crêperie, qui s'appelle l'école crêperie L'Heroïc. Maison L'Heroïc. SAS Maison L'Heroïc. Oui, ça c'est la forme juridique. L'Heroïc, avant toute chose, cette belle histoire, elle démarre avec certainement en moi, alors je ne sais pas si c'est génétique, j'en sais strictement rien, mais ma grand-mère, Marie-Edmonde L'Heroïc, que j'ai très peu connue puisqu'elle est décédée quand j'avais 7 ans, était crêpière de son état. Épouse et femme de marins pêcheurs de Terre-Neuve qui pêchaient la morue, donc alors une vie dure, etc. Dur métier. Et moi, j'ai toujours eu cette passion au fond de moi des crêpes et des galettes. Alors, je suis un autodidacte, comme on l'entend, parfait, puisque j'ai un point commun avec mon ami maintenant Olavie. On a HEC en commun tous les deux, c'est-à-dire que lui a vraiment fait des hautes études commerciales et moi j'ai fait des hautes études communales, puisque je me suis arrêté très tôt. Et donc mon parcours a été effectivement de rencontres, de gens, etc. J'ai aussi été un consultant en entreprise, voilà, du pratico-pratique, toute ma vie se résume à cela. Et pour revenir aux crêpes et aux galettes, j'avais 14 ans et demi, je situe bien parce que c'est l'âge où on peut avoir une mobylette, et j'avais acheté une mobylette d'occasion en ayant travaillé un peu l'été. J'ai fait un tour de Bretagne en mobylette, c'est ma grande révélation. Et je me souviens pas trop de cette dame qui tournait des galettes devant moi. Je me rappelle pas de sa silhouette, je me rappelle pas de son visage, mais je me rappelle de sa main qui tournait au-dessus de la crêpière, ce qu'on appelle un bilic en breton. Et je n'ai eu de cesse que de vouloir savoir cela. Et donc j'ai acheté une crêpière, je l'ai mise sur le siège de ma mobylette, je dormais avec dans ma tente. Et puis j'ai fait des crêpes pour les amis pendant très longtemps, pour des anniversaires. Mireille, vous auriez eu l'anniversaire d'un de vos enfants ou le vôtre. Vous m'auriez demandé si nous avions. Je suis pas sûr, c'est pas exactement. Non, mais vous m'auriez demandé de faire des crêpes pour vous et vos amis, oui, voilà, voyez. Et ben, c'est nous sommes là, hein, 123 à Lyon aujourd'hui. Et puis peut-être que vous m'auriez demandé, comme d'autres me l'ont demandé, mais montre-moi comment on tourne. Comment faire le tour de main, voilà. En fait, j'ai fait un mariage entre mon métier de, à une époque, de consultant, d'organisateur, de celui qui aime partager, qui aime entrevoir des choses avec les autres. Et puis à travers la crêpe, la galette, à travers les traditions de Bretagne, j'ai marié les deux. J'ai marié les deux et puis un jour j'ai dit, je vais créer une école, j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi. Déjà, et j'ai trouvé que c'était long, que c'était pas pratico-pratique, etc. Et j'ai créé Maison L'Heroïc, qui porte le nom de ma grand-mère et de ma maman, Juliette L'Heroïc. Voilà. Voilà. Quel est l'objet de cette maison? C'est la formation. C'est la formation de crêpier. Depuis le moment où vous avez ouvert cette maison, il y a combien de compagnons que vous avez formés? Voilà, j'ai la prétention, et et je le dis ouvertement, tous ceux que j'annonce, je les ai formés moi-même, c'est-à-dire environ depuis 6 ans maintenant, surtout sur les 4 dernières années, j'ai formé un petit peu plus maintenant, je crois, de 400 compagnons crêpiers. Je ne les appelle pas des stagiaires, moi j'appelle des compagnons, vous voyez, cette relation avec les autres, avec l'autre, et qui viennent de, je crois que je suis à 28 ou 29 pays différents, alors soit qui vont s'installer, soit qui sont venus, voilà, de tous les continents pratiquement. Et puis, ça ne dure que 4 jours. Pas plus de 4 personnes pour un échange intense. C'est de matin de 8h30 à 19h le soir, même plus tard s'il le faut, s'il y a besoin de conseils. Et on échange. Ça va au-delà de la formation. Le mot formation, c'est trop simple, c'est trop galvaudé. Moi, je parle de partage, je ne parle pas de stagiaire, je parle de compagnon. Alors, qu'est-ce qu'on apprend, en fait? Eh bien, on apprend à faire bon. On apprend à faire bon. Avec du bon. Avec du bon. Par sinon, exemple, ça ne marche pas. Olavie qui ouvre Nominoé ici, fait venir sa farine de blé noir, hein, son sarrasin, il le fait venir directement de Bretagne. Moi, ce que je défends, c'est de faire bon avec du bon, effectivement. Et puis,
de pas chercher à vouloir que faire des sous, c'est aussi on véhicule tout un tas d'émotions à travers la cuisine, faut pas l'oublier. Et de faire simple, quand je dis ne pas aller dans l'usine à gaz, et Olavie et Dana et Olavie l'ont bien compris, c'est-à-dire c'est pas d'offrir pléthore de choses sur sa sur son menu, mais d'avoir les 5-6 grandes traditionnelles, et puis à côté de ça d'offrir des suggestions qui tournent de temps en temps. Alors pour revenir à l'école, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend d'abord à faire bon, on apprend à tourner, on apprend aussi à calmer le jeu, c'est-à-dire laisser les pâtes se reposer, notamment le sarrasin. On apprend le geste essentiel. On va droit au but, c'est-à-dire apprendre toutes les trucs et astuces en cuisine qui nous font, un, gagner du temps, et deux, ne pas réinventer ce qui fonctionne très bien, c'est-à-dire la tradition. Alors justement, parlons de tradition et parlons des secrets du métier, et faisons un peu la différence entre la crêpe et la galette. Alors... On va partir d'un postulat simple, c'est que lorsqu'on évoque la crêpe, alors il y a les puristes qui voient ça autrement, mais la crêpe, on va penser au sucré. Pour le commun des mortels, le sucré, c'est-à-dire la crêpe avec de la farine de froment, etc. Où là, on va garnir avec selon aussi les habitudes aussi culturelles, simple, de cuisine, crêpe etc. Au sucre, voilà. Une simple crêpe au sucre. Pas plus simple qu'un sucre. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Il faut choisir déjà un bon sucre à mettre dedans, d'accord. Et puis à côté de ça, après on va par exemple, moi je l'offre à tous mes compagnons. Par exemple, le succès de ma propre crêperie, parce que j'ai eu une crêperie et que je le renseigne, c'est la pomme l'héroïque en dessert. Donc vous imaginez une petite pomme cuite au beurre et au sucre, hein, légèrement caramélisée. Elle va aussi être contenue avec une petite framboise qu'on va retourner sur une crêpe. D'accord. Et on va zébrer ça de caramel au beurre salé maison. J'ai appris à Olavie et Dana à le faire. Et voilà ce qui est. Alors on pouvait aussi présenter cette pomme, comme beaucoup le font, façon un peu... compote grossière avec du caramel noyé dedans. Non, il faut que ce soit beau aussi. Il faut que c'est de la classe, un petit peu. Oui, c'est le respect du produit, d'abord. Et puis d'une tradition et du client. Et puis tout, oui, hein? Exactement. Et alors, pour finir, donc ça, on a parlé des crêpes dessert qui peuvent être servies éventuellement avec du salé pour ceux qui n'ont pas l'habitude du sarrasin. Donc le sarrasin. Un caramel salé. Un caramel au beurre salé, ma chère. Ah, on n'a pas de petits pots dans nos poches. C'est dommage. Mais et donc après le ça. Je ne laisse pas faire facilement. Ah, je vois ça, bon, je vois enfin. Ça. Mais peut-être un petit peu gourmande sur ce coup-là aussi. Hein. Et donc le sarrasin, donc autrement appelé blé noir. C'est aussi une culture. On en a une production un petit peu partout sur la planète, mais il y a production et production. Voilà. C'est donc on va chercher. Et Olavie souhaitait avoir une production bretonne, bio, etc. Et c'est ce qui l'importe, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on met dessus Sur la sarrasin. Alors, il y a la... C'est... Parce que là, ça commence à devenir un peu compliqué. Bah oui, puis... Non, ça... c'est pas non. compliqué, c'est surtout que ça met l'eau à la bouche, cette affaire-là. Alors, la complète, c'est ça. La complète, elle est simple. On choisit des bons éléments, des bons œufs, du bon jambon, du bon fromage, d'accord. Et imaginez... Et là, on tourne une belle sarrasin là, sur le bilic, la crêpière, et puis on va y déposer un œuf. On va étaler le blanc. On va faire en sorte que l'œuf miroir soit joli. On va mettre... C'est ce qu'on appelle l'œuf miroir, c'est l'œuf miroir, hein, on peut le brouiller aussi, mais l'œuf miroir, c'est plus joli. Et puis, nous allons mettre notre fromage autour. On ne va pas cacher l'œuf. Et on va mettre du jambon sur les côtés. Et on va attendre que la galette... Bon, certains disent la crêpe de blé noir, la galette pour moi. On va attendre qu'elle soit crasse. En breton, ça veut dire crasse, ça veut dire croustillante. Elle relève sur les bords. Et là, on va la ramener tout doucement, tranquille. Voilà, faut 2 minutes 30 à 3 minutes pour faire une bonne galette. C'est pas comme en pizzeria, j'ai rien contre, hein, bien sûr, mais on va enfourner 7-8 pizzas. Et là aussi, il faut de la magie un peu là-dedans. Là, on travaille une crêpe par une crêpe, galette par galette sur le bilic. Et puis, on va mettre un petit peu de beurre au pinceau, beurre demi-sel si possible, vive la Bretagne. Et nous avons servi. Mon préféré, le beurre demi-sel. Ah, le jour où j'ai découvert le beurre demi-sel, mais ça a été un jour magique. Mais c'est... On ne peut pas le dissocier de la galette de blé noir. Non, tout à fait. Alors,
pliage de la galette. Ah. Parce que pour le sarrasin, on plie juste les bords et on laisse. En fait, on forme un carré. On forme un carré. Alors, on peut former un carré, on peut former un triangle, etc. Maintenant, il y a la réalité de la restauration, c'est-à-dire que lorsqu'on a beaucoup de monde, parce qu'on a beaucoup de succès, il y a des pliages qui sont plus ou moins compliqués. Moi, je pars d'un constat qui est faire simple, toujours faire simple, simple mais bon. Et puis, on mange aussi avec ses yeux. Et le format carré, c'est génial pour ça. Parce que l'assiette arrive devant vous et le meilleur compliment que je leur souhaite, c'est quelqu'un qui dise « Ah, ça me souvient, je me souviens de mes vacances en Bretagne » ou « Je me rappelle d'une tante, d'une grand-mère en Bretagne ». Là, on a remonté une émotion, donc c'est gagné. Mais il faut que ce soit ouvert, il faut qu'on mange avec nos yeux aussi. Vous comprenez, Mireille, là ? Bien sûr. Alors, il paraît qu'il y a environ, un peu plus de 4000 crêperies, toutes types de crêperies en France. Ouais, c'est même presque plutôt près de 5000 même. Près de 5000. Ouais. Et en Bretagne, plus de la moitié peut-être. Non. Est-ce qu'on en trouve partout ? Alors, on trouve des crêperies un petit peu partout. Alors sachant que effectivement, notamment pour les amis touristes qui viennent de l'extérieur, y compris dans mon propre métier, c'est-à-dire que les gens qui veulent se former cherchent d'abord des écoles ou un formateur. Y compris moi, ça tombe bien, en Bretagne, parce que c'est réflexe crêpe galette égale Bretagne, parce qu'il y a une production de blé noir, etc. Alors, des crêperies, oui, il y a des crêperies, mais mettons, puisqu'on parle de cuisine, de gastronomie, mettons les pieds dans le plat, juste de manière très sympathique, c'est qu'il y a, à mon sens, crêperie et crêperie. Sous la tour Eiffel ou alentour de la tour Eiffel, vous avez aussi des gens qui vendent des crêpes, et en fait, ils ouvrent, les gars, ils ont des super toques sur la tête, hein, ils se mettent super crêpier, et en fait ils ouvrent un seau avec un mix, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau, et puis ils mélangent. Non, nous on travaille autrement, ça n'a rien à voir. Et même partout, y compris en Bretagne, il y a ceux qui ont l'amour du métier, mais tant dans les crêpes que ce serait un couvreur ou un peintre en bâtiment. Je veux dire, c'est de la manière dont on a envie de véhiculer les choses. Ça veut dire quoi, on travaille autrement? On travaille autrement. Alors, il y a quelques mots qui définissent ce qu'on veut faire d'un point de vue culinaire. C'est traditionnel, c'est artisanal, c'est naturel, c'est bio pour le cidre et pour les bières que nous allons avoir. C'est non pasteurisé, c'est non filtré. Donc, c'est ça et tout ce qui va avec. Donc, effectivement, c'est le plus naturel possible. C'est fait à la main. Un exemple. On a aussi un petit coin épicerie au-delà du resto. Il y a quelques bons produits bretons typiques qu'on importe également de là-bas. À l'idée, pas du tout d'importer le tout de France, de Bretagne, absolument pas. L'idée est d'importer les incontournables. Voilà, le cidre, le vrai cidre, c'est le cidre breton. Il vient de Bretagne, comme le vrai champagne vient de Champagne. Et c'est un peu l'idée. Un exemple, il y a des galettes et des palets, c'est des biscuits traditionnels au beurre salé également, qui sont faits à la main dans une toute petite fabrique de Bretagne, près de la pointe du Raz. Voilà, qu'on importe et qui sont disponibles dans notre petit coin épicerie. Alors, ce que vous voulez faire, c'est vraiment une ambassade de la Bretagne. À Bucarest, il y a le fameux slogan « La Bretagne, ça vous gagne ». Voilà. C'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre Bretagne à vous, les goûts, les odeurs, tout ce que vous sentez. Enfin, faites-nous voyager un petit peu. Non seulement à travers la galette ou les crêpes, mais vraiment les endroits que vous aimez, les gens que vous connaissez, ce que vous aimez en Bretagne. Ça c'est marrant parce que malgré qu'on a beaucoup travaillé là pour l'ouverture de leur crêperie Nominoé, ils ont réussi quand même à m'emmener voir un petit peu Bucarest et me montrer. Il m'a fait un plaisir énorme, qui est ce que je lui racontais, que voilà, je retrouvais pas le titre, La vie c'est la longue marche. J'évoquais ce bouquin d'un homme qui, un peu désespéré, s'est soigné l'âme et l'esprit en faisant Istanbul Xi'an en Chine à pied. C'est un Français et il me faisait rêver parce qu'il parlait des caravansérails et j'en avais jamais vu. Il m'a emmené. Et en fait, et ce matin dans la voiture, je lui dis, tu sais, moi, il y a plein de trucs qui me passent par la tête, et notamment, il n'y a pas longtemps, j'étais
Pointe-Saint-Mathieu, en plein Finistère, au bout de la Bretagne, la Bretagne la plus éloignée. Et je me disais que la Bretagne, c'était aussi ça, c'est des éléments, c'est une vie d'histoire, de culture, de légende, aussi belles les unes que les autres. Et la Bretagne, elle nous fait rêver. Il y a la Bretagne des terres, il y a la Bretagne de la mer. Mmh, et ça, c'est important. Exactement. Il y a des, qu'on soit croyant ou pas, il y a des enclos magnifiques. Il y a les pierres qui tremblent à Elgouette. Vous êtes dans la forêt de Brocéliande, où là, vous avez tout Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane qui vient vers vous, etc. Ils ont existé, ils n'ont pas existé, des légendes. Puis vous attendez toujours à ce qu'il y ait un petit elfe qui sort de dessous les feuilles, qui vous raconte des histoires. Et la Bretagne, c'est aussi ça. C'est des odeurs, des parfums d'humus qui viennent se mélanger au sarrasin. C'est une autre vie. Alors maintenant, je ne peux pas être jugé parti. Moi, je suis breton dans l'âme. Je le revendique. J'aime trop les choses. Je me parle. Mais il est évident que, pour ceux qui viennent de l'extérieur, le message que je veux faire passer, quand on parlait que la Bretagne vous gagne ou la Bretagne, j'ai envie de la partager, eh bien, la Bretagne, c'est pas uniquement les grandes références, Saint-Malo, etc. C'est beau. Ma maman est malouine, donc je peux en parler. Malouine, ma grand-mère, ça veut dire habitant de Saint-Malo. Hein. Ma grand-mère, Loroïc, donc faisait les crêpes et les guêpes pendant 30 ans dans ce coin-là. Mais il n'y a pas que ça. Allez vous balader dans les petits villages, allez dans le centre de la Bretagne, allez rencontrer des gens, rentrez dans les bistrots, les cafés, vous allez entendre parler breton, puis tout d'un coup, vous allez leur demander des choses, et puis voilà, ils vont vous parler, ils vont vous raconter des trucs merveilleux. Ça, c'est la Bretagne. Et puis, comme tout ailleurs, c'est on a envie de partager, ou on a envie de la garder pour soi, et si on garde les choses pour soi, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà, votre allez-y. Bretagne à vous. Moi, je pense que... Alors, j'ai pas pris conscience dès le début, mais j'ai un ami qui m'a en fait... m'a mis les mots dans la bouche où, voilà, il m'a dit en fait ce que vous venez de dire plus tôt, c'est que en fait ce que tu veux faire là, c'est une petite ambassade de Bretagne, et c'est effectivement ça. Je pense que in fine, moi je suis un breton par adoption, alors je suis en premier lieu roumain et je serai toute ma vie, quel que soit le parcours et où la vie m'emmène, je suis français parce que la France m'a accueilli dans des moments de détresse, et une région particulière de la France, la Bretagne m'a accueilli, et quelque part c'est lui rendre ce qu'elle m'a donné. Parce qu'effectivement, on était des égarés du monde. Et c'est une région qui est tellement riche. C'est une région qui parle à tous les sens. C'est ce que l'on souhaite dans notre petite crêperie-épicerie. C'est effectivement que les gens se transportent dans le temps. Géographiquement, effectivement, qui se retrouvent en Bretagne. Mais aussi dans le temps. Alors, les gens qui aiment les histoires, qui aiment les légendes. Il y a un petit coin bibliothèque avec des bouquins pour des gamins, pour des adultes d'histoire, de peinture, de Gauguin, de l'école de Pont-Aven, de plein de choses. Et ben voilà, ça parle à tous les sens, ça parle à l'esprit, ça parle au goût, ça parle voilà à tout. Je reviens à ma question, j'insiste, je voudrais des coins en Bretagne, des gens que vous connaissez. La pointe du Raz. Racontez-nous. La pointe du Raz, c'est extraordinaire. C'est où? C'est l'une des trois pointes là qui se jettent dans l'océan Atlantique. C'est les extrémités ouest de la Bretagne, de la France et de l'Europe. Voilà. C'est magnifique. C'est magique. C'est dantesque. En bas, parfois, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as des petits bateaux de pêche, des ligneurs, ce qu'on appelle des gens qui pêchent le bar, le poisson, le bar, à la ligne directe. Ils sont dans des creux de 2 mètres. Mais nous-mêmes. À la ligne, ça veut dire quoi? Qu'on dit ça? Poisson par poisson. Pas des ligneurs avec 50 000 hameçons derrière. Les gars, ils sont avec leur lancer, leur moulinet. Ils sont seuls dans leur petit bateau. Ils ont la barre franche entre les genoux. Mmh. Et ils sont là dans des creux de 2 mètres, 3 mètres, parce que c'est leur vie d'aller chercher du poisson. Voilà. La moindre des choses qu'on leur doit à ces gens-là, c'est que lorsqu'on fait une galette avec un filet de poisson, par exemple, et une petite sauce armoricaine dessus, on peut y mettre autre chose, mais on leur doit ça. Donc c'est ça aussi la Bretagne, c'est d'aller Mireille, là, il y a des petits enclos paroissiaux en Bretagne, ou alors aller sur les monts d'Arrée. Il y a, alors, d'autant plus, entre parenthèses, un athée pratiquant qui vous le dit, il y a une petite chapelle dans les monts d'Arrée, d'accord, c'est dans le Finistère, dans les terres, Saint-Michel de Braspard. C'est assez nu, il n'y a que des genêts et des ajoncs. Moi, une fois, on se baladait, on était en bas, la chapelle, elle est à 500 mètres de nous. Il y a ce qu'on appelle un cagnard en français. Il fait très chaud. On a vraiment très chaud, très soif. On monte là, on a quoi faire? Un demi-kilomètre, même pas. Il se met une tempête, des trombles d'eau. On s'est réfugié dans cette petite chapelle.
On est passé de la lumière à l'obscurité des mystères de la Bretagne, et tout d'un coup, c'est revenu comme enchanteur. Et parfois, on peut entendre des chaînes au loin. Et ça, les chaînes, c'est l'encou. En breton, l'encou, c'est le diable. Il vient te dire, attention, j'arrive si tu fais pas les choses bien dans ta vie. On a eu la chance de pas l'entendre. C'est ça aussi, la Bretagne. C'est voilà. Magique. Alors, j'aime bien ces histoires. Parlons d'autres produits mythiques de la Bretagne. On parle bien sûr de la cuisine, de la gastronomie. Ah, et bah, comment on fait ça? Et comment ne pas parler de l'andouille, on sort de la cuisine. Comment ne pas parler de l'andouille du Guéméné? Mais je t'en laisse en parler, t'en parles mieux que moi. Ouais, allez-y. Ah non, on évoque la Bretagne, c'est pas que ça, mais effectivement, ils ont fait venir une véritable andouille. Andouille, c'est de la charcuterie, hein, de Guéméné-sur-Scorff, qui était l'andouille roulée, hein, opposée à celle de l'andouille de Vire de Normandie. Et l'andouille, c'est dans du chaudin de porc. Et imaginez ça, Mireille, elle doit faire 2 mm d'épaisseur. On la chauffe que d'un côté sur le bilic, on vient la mettre en corolle et après, comme des tulipes sur la galette. Oh, ça va être l'heure de manger en plus. Justement, c'est pour ça qu'on fait. Alors, en termes de petits gâteaux, il y a quand même d'autres petits gâteaux que vous avez fait venir aussi à Bucarest. On a fait venir à Bucarest dans le coin épicerie, effectivement. Je vous disais les petits gâteaux secs, artisanaux, faits à la main. Les galettes, ça s'appelle aussi les galettes, et les palais bretons. Au beurre salé, bien évidemment. Les fameux caramels au beurre salé, également, on les a fait venir, ils sont disponibles en papillote. Et puis, il y a plein de choses que nous allons préparer par nous-mêmes. Donc, Patrick le disait tout à l'heure, le caramel qu'on va servir sur nos crêpes, c'est un caramel fait maison par nous. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'au-delà de ces recettes traditionnelles consacrées, et on parlait de l'andouille de Guéméné, on peut innover. Et c'est quelque chose que l'on souhaite vraiment faire. On a une très belle charcuterie en Roumanie et il y a des choses qu'on peut faire, qu'on peut inventer. Mais on n'invente pas. Et c'est de la grande tristesse qu'on n'invente pas trop. Eh bien, nous, on l'inventera. Inventera. On créera. J'espère bien. C'est quand même dommage qu'on est capable de produire, je ne sais plus quelle quantité, de lait de vache, de mouton, de chèvre, et qu'on fait combien de fromage chez nous, alors qu'en pas France, voilà. Donc il y a encore des choses à inventer, il faut juste un peu de curiosité. Eh bien écoutez, j'ai travaillé, vous le disiez au tout début, une bonne quinzaine d'années chez Renault. À un moment donné, le slogan de Renault, c'était créateur d'automobile. Nous, on va être créateur de, pas seulement de galettes et de crêpes, mais d'autres choses. C'est une promesse. C'est un peu peut-être prétentieux, mais on s'y tiendra. Je veille au grain, Mireille. Je veille au grain, même à distance. Alors, parlons maintenant business. Parce qu'ouvrir une crêperie, ça paraît simple, mais ouvrir une crêperie à l'étranger, c'est probablement pas aussi simple que ça. Il paraît qu'en France, en fait, c'est un business qui est assez rentable, même si on travaille beaucoup, non ? Oui, bien sûr. Non, faut pas se voiler la face. Il est reconnu que la pizzeria et la crêperie sont parmi les secteurs de la restauration qui sont les plus rentables. Mmh. Il n'empêche que c'est un véritable métier de bouche. On est constamment debout, on est archi fatigué, il faut choisir ses produits, on fait des courses comme les autres, etc. Et en même temps, voilà, si vous me permettez, Mireille, c'est juste la petite parenthèse qui est de dire, moi, par exemple, à mon école, je refuse certaines personnes. Par exemple, celui qui vient juste pour apprendre parce que il est en retraite, il ou elle est en retraite, et puis il se dit, j'ai moyen de me payer la formation, puis je vais faire des crêpes et des galettes à mes petits-enfants. J'ai enfin ce loisir de le faire. Je suis désolé, mais je lui dis non. Je lui dis non, je ne peux pas te prendre parce que dans nos échanges, nous sommes si peu nombreux à aller de l'avant que je ne peux pas. C'est pas mon métier que t'apprendre ça. Va faire un atelier, quoi. Parce que moi, je veux des gens, je veux les accompagner. Alors maintenant, effectivement, c'est un secteur qui est rentable, mais à condition qu'on fait bon. Les crêperies s'enferment tous les jours aussi parce que à un moment, le seul juge de paix, c'est le client. Et quand le client, il n'en a pas pour son argent, quand il n'a pas la tradition qu'il est venu chercher dans son assiette, quand il n'a pas aussi, quelque part, cette application à rechercher des petites choses nouvelles, il se meurt. D'accord. Voilà. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Mmh. C'est pas simple.
Et c'est peut-être pas par hasard, effectivement, ben, qu'on sera là, je pense, si je ne m'abuse, la première crêperie et pâtisserie bretonne de Bucarest. Parce que c'est compliqué, et pas seulement parce que ça coûte cher, parce qu'il y a aussi une chaîne logistique qui est compliquée. Alors effectivement, si on veut bien faire les choses, eh ben, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a certains produits qu'il faut importer de là-bas. Et c'est pas facile. Le sarrasin, je comprends. Oui. Mais les œufs. Les œufs, non, ils sont chez nous, donc vous en faites pas. Alors, je peux vous les citer, les produits qu'on importe, oui, mais ils sont quand même si. Un peu de base. C'est, donc il y a la farine de sarrasin. Il y a le cidre artisanal, qui est très important, qui accompagne, c'est un incontournable des galettes et qu'on peut savourer aussi séparément. Il y a les biscuits dont je vous parlais également. Et puis, il y a les caramels au beurre salé. On a commencé avec ça. Voilà, on a commencé avec ça. Mais ne serait-ce que ça, par exemple, j'en ai un exemple. Il nous a fallu maintes semaines, voire des mois, pour que les autorités douanières roumaines se mettent d'accord avec les autorités françaises douanières sur le fait que le cidre était... payeur d'accise en France, mais pas en Roumanie. Donc il y a des exemptions, il y a des choses qui doivent se passer d'une certaine manière, des documents très compliqués. Alors ça paraît simple, mais c'est pas du tout compliqué. C'est pas du tout simple. Voilà. Je pense même que c'est plus compliqué qu'en France d'ouvrir un restaurant ici. Parce que moi, je lui livrais ce dont moi j'avais vécu dans ma propre crêperie, de ce que je sais. Bon, bien sûr qu'il y a tout ce qui est lié à l'hygiène, etc. Donc il y a des normes, il y a plein de trucs. C'est presque plus draconien dans ce que tu as à faire hein, ici. Hein, où la vie, c'est. Je dis, oui, mais ça, non. Oui, mais nous, on doit le faire. Je vois pas à quoi ça sert, mais tant pis. Allons-y, puisque c'est la loi et les règles sont là. Donc observons les règles, suivons-les. Mais parfois, ça peut être aussi un frein au développement. À faire des belles choses, quoi, je sais pas. Donc maintenant, je me dis quand même que il y a plus compliqué que chez nous. Alors, longtemps, les crêpes étaient pour les enfants, pour les petits. Maintenant, elles existent en format pour les grands, non, bien sûr. Par contre, vous êtes pliés aux nouvelles modes, parce que j'ai vu sur votre liste, vous faites des crêpes sans gluten, sans. Voilà. Bah, c'est l'un des avantages. Alors, effectivement, les gens qui veulent du naturel, du bio, du sans gluten, il faut qu'ils viennent goûter les galettes au sarrasin qui, naturellement, sont sans gluten et qui, plus est, nous avons pris déjà. Mais comment on fait? Mais c'est simple, Mireille. Un produit sans gluten par excellence. Allez, je vais même aller au bout du bout, vegan. D'accord ? Le sarrasin. Le sarrasin est un produit vegan par excellence. Puisque ce n'est pas une céréale, il n'y a pas de gluten, c'est une polygonacée de la famille. La rhubarbe, tous vos auditeurs connaissent la rhubarbe, c'est la même famille. D'accord ? Donc, justement, moi, ce que je. Confiture préférée. C'est génial. Mais en même temps, c'est ce que. Tarte à la rhubarbe, mais. C'est ce que l'on transmet, c'est-à-dire que faire bon, ça veut dire quoi? Vous avez tout un tas de recettes dans les bouquins, etc., moi, qui m'énervent, y compris venant de la provenance de Meunier, qui ce sont ceux qui vont moudre le grain, même les grandes entreprises qui disent mettez du sarrasin, un peu de froment dedans, un œuf par kilo, et pourquoi pas du lait, pourquoi pas du pétrole. Non, un bon sarrasin, comme ils ont choisi, un bon sarrasin se suffit à lui-même de l'eau et du sel. Naturlich. Par contre, il faut choisir son sarrasin. Il y a des sarrasins à tous les prix. Si, on en revient tout à l'heure, Mireille, si je veux gagner vraiment que de l'argent, eh bien j'achète un sarrasin à pas cher, dans des grands trucs de distribution, je fais ma grosse marge dessus. Mais il est où le goût? Il est où le fumé? Moi, quand je leur apprends à travailler à la main leur base, leur pâton, etc., mais vous avez tout qui remonte dans les narines. Le toucher aussi, c'est important. Eh bien, on prend un bon sarrasin. On met le prix dans son kilo de sarrasin. Mais c'est pas outrancier non plus, hein. Avec un kilo de sarrasin, on va fabriquer, selon sa main, on va fabriquer l'épaisseur qu'on veut donner, entre 24 et 28 galettes. Est-ce que vous allez faire les crêpes et les galettes vous-même? Moi, personnellement, oui, monsieur. Il se peut que je donne un coup de main. Je trouve que c'est important. C'est important parce que monsieur. Moi, je suis très attachée en France aux boulangers qui se lèvent, par exemple, à 3h du matin ou 2h30 du matin pour se mettre dans sa boulangerie et préparer la baguette et les croissants pour le lendemain. Et je pense qu'en Roumanie, on a oublié un peu ce côté du vrai travail quand on est dans les métiers de la bouche. Eh ben, nous, on travaille déjà pour l'ouverture là, avec mon épouse. Alors, c'est un projet familial, c'est un projet, c'est notre projet à nous, de cœur, d'âme, comme on dit en roumain, où on a mis tout ce qu'on avait de mieux.
on a été d'abord formé. Donc j'ai mis la main et puis les produits qu'on importe, on les a choisis parce qu'on a travaillé avec. On a bénéficié d'une comme je disais tout à l'heure, une formation aux petits oignons, mon épouse et moi. Et le fait qu'il y ait entre elle et moi, c'est elle qui a plus le coup de main, comme dit Patrick. Alors c'est elle qui sera sur la cuisine. D'accord. Moi je donnerai un coup de main quand il y a lieu. Je serai moi sur la salle plutôt. Mais je suis là en appoint. Et puis on a formé une belle équipe et ça doit être une belle histoire aussi pour l'ensemble de l'équipe avec des gens qui ont aussi des parcours. C'est peut-être pas un hasard. On s'est retrouvés des parcours un peu différents. Un peu parce étonnant. Que je pense qu'il faut donner l'exemple. Le patron doit aussi toujours. Être en cuisine c'est en salle cas, et voilà. Mais de là à dire que je formerai mieux les femmes que les hommes, faut pas exagérer non plus. J'ai pas dit ça. Mais non, mais c'est une blague. Joke. Personne n'a dit ça ici. Mais non, c'est une blague. Ah d'accord. Ah bon. Ben voilà, je pense que nous avons fait le tour. Est-ce qu'en termes de marketing, vous avez pensé à quelque chose pour cette ouverture? Est-ce que ça vous fait peur? Non, du tout. Il faut y croire et on y croit et c'est un projet encore une fois, quand on y croit et qu'on a mis tout ce qu'il y a de mieux et ça ne peut que marcher, il faut écouter sa voix intérieure comme on dit, et la voix intérieure dit que ça va marcher. Le marketing, j'en ai fait pendant plus de 20 ans pour Renault et pour d'autres groupes, oui, mais en premier lieu ce qu'ils font c'est que les gens, ils viennent, ils goûtent et ça leur plaise, puis ensuite c'est le bouche à oreille. On peut parler du marketing et du marketing mix qu'on va appliquer, mais je pense que c'est pas l'objet. Chacun peut imaginer ce qu'on peut faire avec le Facebook, avec plein de choses, le digital, etc. Mais non, en premier lieu, il faut que les gens soient convaincus, que ça leur plaise et qu'ils soient tout à fait satisfaits, comme on dit, dans le métier de l'automobile, quand il y a des enquêtes clients, et qu'ils nous recommandent certainement et pas peut-être. Voilà. D'accord. Ça veut dire quoi, Nominoé ? Nominoé ! Je vais en parler très longtemps. Alors, les recettes, les crêpes et les galettes les plus élaborées, elles vont toutes porter le nom d'un personnage emblématique de la Bretagne. Et c'est une région qui est riche en personnages emblématiques. Nominoé, c'est le père de la nation, on dit en breton. C'est celui qui a, il y a très longtemps, en 845, vaincu Charles le Chauve, les Francs, et puis est devenu le premier roi de Bretagne. Et voilà, et puis il a eu des successeurs, puis on parle des successeurs, il y a des ducs de Bretagne, des duchesses, et Jacques Cartier, et plein de choses. Voilà, mais comme je suis fan d'histoire, je peux en parler longtemps. Mais derrière, encore une fois, chaque crêpe, chaque galette, il y aura une histoire, et puis ceux qui seront intéressés, eh ben, ils pourront apprendre cette belle histoire. Strada Maltopol, fosta strada dreapta, pentru cei care știu cartierul din copilărie, așa cum îl știu, așa cum îl știu eu, alții au și alte copilării mai vechi decât copilăria mea. Felicitări, mulțumesc pentru vizita de astăzi, felicitări pentru pasiunea pe care o puneți în ceea ce o faceți. Patrick Rangier, est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez d'autres amateurs de crêpes qui sont en train d'ouvrir leur crêperie dans d'autres pays du monde? Alors, oui, forcément, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent, mais moi je fais que deux formations par mois avec très peu de gens, donc voilà, donc c'est assez restreint, voilà, c'est de l'accompagnement. Mais juste quand même, pour finir, une petite anecdote, il faut savoir qu'avec Dana et Olavis, c'est une histoire qui n'aurait pas dû naître un jour. Parce qu'ils étaient inscrits ailleurs, dans un autre centre de formation qui les a un peu lâchement laissé tomber, on passera là-dessus. Et ils m'ont appelé, et la petite histoire veut que lorsqu'ils m'ont appelé, la première fois, je leur ai dit « Je ne peux rien pour vous parce que je ferme cette école-là pour en ouvrir une autre ailleurs. » Et dans le week-end, je dis « Je ne peux pas les laisser tomber. » Donc j'ai enchaîné deux formations l'une sur l'autre. Ils ont été les derniers de mon ancienne école et ils sont les premiers que j'accompagne chez eux avec plaisir. Et voilà, merci beaucoup. Et merci, puis bon courage pour la suite. Merci Mamela.